ce midi, premier repas, j'ai mon pain nuage avec l'omelette et j'ai pris un petit peu de saucisson et jambon. Aujourd'hui, c'est une journée protéinée modifiée, donc pas de produits laitiers. Dans ma boisson que voici, il y a du lait d'amande et pas du lait de vache, pas de produits laitiers, avec du café. J'ai acheté ça, c'est un produit, enfin, ça n'a pas de calories, disent-ils, pas de sucre. C'est sucré avec du sucralose, ce n'est pas 100% clean. Mais c'est une bonne alternative. Donc ça, je mélange, c'est au caramel, c'est au caramel le parfum. Donc je l'ai mis ici et ça donne un goût exquis. Donc vous n'allez pas manquer des boissons de Starbucks et autres là. Ça s'est fait maison et c'est super bon. Ce soir, mon dîner, c'est Sleepy Joe. Je ne sais pas comment dire en français, mais en anglais, je sais que c'est Sleepy Joe. Ça, c'est au bœuf. Donc c'est la viande de bœuf que j'ai cuit au slow cooker. Donc ça a cuit tout doucement. Donc voilà ça pour le restant. Donc je fais ça sur le crock-pot pendant 4-5 heures. Ce crock-pot cuit vraiment vite. Donc 4 heures, souvent c'est déjà prêt. Donc 4-5 heures, ça dépend de la grosseur de la viande. Les autres vont manger avec leur hamburger. Et moi, j'utilise mon pain nuage adapté. Donc c'est ça. Je vais donc mettre mes cornichons. Je mets du piment parce que moi j'aime le piment. Mes enfants ne vont pas manger ça. Donc moi, je mets bien le piment pour moi. Je laisse pour mon mari un peu. Et je vais mettre un petit peu de fromage. Aujourd'hui, c'est journée sans produits laitiers. Mais bon, je vais prendre un petit peu de fromage. J'ai eu beaucoup d'eau. J'ai perdu beaucoup d'eau ces deux jours. Parce que mon ventre a tourné. J'ai mangé quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis beaucoup, beaucoup vidée. Donc, là, je vais essayer de me recharger. Donc, je mets juste un petit peu. Et j'ai ici une soupe aux champignons. Donc, ce sera ça pour ce soir. C'est Sleepy Joe. Je ferme comme ça. Ça fait un bon sandwich avec ma soupe. Yummy. Des pancakes, c'est une pancake. L'autre, ça c'est pas très très bien sorti, c'est là, mais c'est bon quand même, avec du smoothie. Repas 1 du jour 14. Yummy. Ce soir du jour 14, alors j'ai un taco. J'aime faire cette belle salade de taco. Qui est faite de laitue, de la viande hachée et des légumes. Quelques légumes et condiments que je mets. J'accompagne aussi avec du guacamole, la crème sûre et puis il y a quelques vinaigrettes pour ceux qui veulent. Le week-end, j'ai mangé quelque chose qui m'a dérangé au ventre. Et donc, ces jours-ci, je veux manger vraiment léger. Donc, c'est ça pour le deuxième repas du jour 14. Yummy. Je vais me couvrir avec du fil alimentaire comme ça pour que des petits bébés ne s'opposent pas. J'aime pas quand ça, la nourriture est exposée, donc je vais aussi couvrir ça. Et puis les gens, chacun pourra venir se servir. Yummy. Busy day today. Aujourd'hui, je vais manger à mon poste. Ma pause est pratiquement terminée. J'ai juste eu le temps de faire mes œufs scotch. Donc, c'est ça avec mon pain nuage. Ce que j'ai mis là, aujourd'hui, c'est un jour carnivore. Donc, pas de produits laitiers. Ça, c'est du beurre vegan.
Donc, ce n'est pas fait avec du beurre-beurre. Enfin, c'est une adaptation. Et j'ai ma boisson. Là, yummy. Ça, c'est pour le premier repas du jour 15. Ce soir, je travaille un peu tard. Et je mange aussi tard. Ça, c'est des courges. C'est des courges. C'est une petite courge que j'ai coupée au milieu. Donc, ce n'est pas la patate. Ce n'est pas... C'est aussi un petit peu de carbs, mais moins que la patate, moins que bon, les pommes de terre. Donc, c'est une courge. Et j'ai du poulet et un peu de brocoli. C'est ça pour ce soir du jour 15.